Eh bien bonjour ses amis, c'est Kurashima et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu qui s'appelle Terraria. Donc on va jouer en solo avec un joueur. Donc là, si vous dites t'as deux personnages, t'as déjà commencé. Et ben en fait c'est juste que celui-là, je l'avais utilisé pour aller sur un serveur avant pour tester un peu, pour m'habituer aux commandes de jeu. Et voilà, hein. Mais il y a 7 heures, mais parce que je ne jouais pas pendant un long moment, mais c'est tout. Donc là, j'ai créé mon personnage avec lequel on va jouer, qui s'appelle Kurashima, normal. Donc, on va créer pareil un nouveau monde, et donc un monde, allez, moyen, en expert. Dès le départ, j'ai jamais fait de vraie aventure sur Terraria, mais on se lance en expert, et alors ça, je ne sais pas. Ah, si. D'accord, bon, alors on va mettre en aléatoire. Et le monde, ça va être Aventure 1. Une, voilà. Donc, les amis, je vous dis à tout de suite parce que ça met pas mal de temps à générer un monde. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, voilà, les amis, là, je suis arrivé sur le monde de Terraria. Donc, ok. Donc on va commencer. Donc on arrive, on a un petit un ami un ami qui s'appelle Gareth. Et on va commencer tout de suite à explorer le monde. Alors voilà, donc on va se déplacer un petit peu partout. Ah oui, non. Bon, je pense qu'il faut commencer par couper du bois. Un petit peu comme sur chaque jeu. Hein. Il y a des arbres, bah, il faut commencer par couper du bois. Bon, on va couper un petit peu d'arbres et on va commencer à faire un établi, une petite maison, parce que c'est le principal, parce que sinon après on sera un petit peu embêté quand il fera nuit, parce que quand il fera nuit il y aura des zombies et en expert, enfin j'ai jamais joué en expert, mais je pense qu'ils sont très très puissants. Donc voilà. Donc on va faire notre petite maison ici. Hop. Ah, faut que je monte, ok. Voilà, hop. Voilà, continuer, hop là, tac, tac, tac. Alors là, où il n'y a pas de porte encore, mais ne vous inquiétez pas, il y aura une porte. Faut juste que je puisse, voilà, la faire, hop. Donc, normalement, je crois que ça se casse. Alors, ouais, c'est ça, c'est pas très logique, mais ça se casse à la pioche. On va se taper, on va se le faire, lui. On va se tuer le... Le petit slime. J'ai pas d'habitude parce que sur les serveurs, j'ai des épées surpuissantes. Aïe. Et beaucoup de vie. Et là, mon épée elle met du 2 de dégâts. Alors que d'habitude, ça va mettre du 80. Ah non, meurs pas, mon ami. Meurs pas. Je vais venir t'aider. Parce que là, il y a mon. Oh là là, c'est moi qui suis mort. Aïe, aïe, aïe. Bon, normalement, en fait, quand on meurt, on perd juste un peu d'argent. Et c'est tout. Enfin, parce que je me suis mis mon personnage en mode facile, parce que sinon pareil, on peut faire un monde en expert. Allez, là, pareil, là, s'il te plaît, voilà. Et un personnage en mode difficile. Là, comment vous dire que c'est presque impossible, parce que en difficile, votre personnage perd son en difficile, en fait, votre personnage, il meurt, hein, c'est fini pour lui, vous ne le reverrez plus jamais. Et voilà. Alors que moi, là, juste, je perds un petit peu de pièces d'or. Et le truc, c'est comme là, je suis mort une première fois, j'avais pas de pièces d'or. Allez, yes, voilà. Donc là, je viens de gagner. Un petit peu de pièces d'or et un petit peu de gel. Ouais. On va pas tuer les petits lapins. Bon, on va aller explorer, c'est plus important, je pense. Même si j'ai pas beaucoup d'équipement. Là, on a la carte, voilà. Et on voit où est-ce que je suis déjà mort. Il y a une petite croix, je crois, ou alors c'est mon point de réapparition, je ne sais pas. Non, je crois que c'est là où je suis mort. Bon, allez, on va explorer. Alors, là, ça va, c'est un biome neige. Alors, il y a beaucoup de biomes sur le jeu, et c'est pas le pire, le biome neige. Franchement, les pires, bah, c'est soit les mondes de corruption, soit les jungles. Pour l'instant, de ce qu'on trouve à la surface et que je connais. Parce que... Il y en a plein que je connais pas. Ok, j'ai failli tomber déjà, super. Et là, on est coincé, donc on va avancer dans la neige. Voilà, on va construire un petit
remplit un petit trou comme ça. Comment on pourra repasser les autres fois. Et au moins on se fait un petit peu de neige. Bon, il n'y a pas grand chose pour l'instant, mais on va continuer à avancer. Alors je vais pas faire de coupure, je vais pas faire beaucoup de coupures dans cette vidéo là parce que moi ça va être la découverte un petit peu. Et même moi en fait c'est des trucs que je connais pas, donc on va découvrir ensemble. Mais dans les prochaines vidéos, oui, il y aura beaucoup de coupures je pense, parce que si, quand il sera nuit, c'est pas très intéressant de me voir contre des monstres toute la nuit et mourir aussi, je pense. Donc voilà. Alors là moi ce que j'aimerais bien trouver, ce sera un petit biome désert, parce que dans les déserts il y a du cactus. Et le cactus, c'est le truc le plus... un des meilleurs trucs pour commencer. Bon, après, si je trouve pas, c'est pas grave. Mais, voilà, j'aimerais bien avoir un biome désert. Alors, j'espère que vous m'entendez bien avec le son des blocs que je casse, même si... Bon, voilà. Là, il y a un slime glaçon derrière moi qui va me embêter ici. Si je me dépêche pas, et en plus je ne vois plus rien. Du coup je suis qui? Vite, il arrive, allez, vite. Parce que je sais que avec ma petite épée je ne ferai rien face à lui. Allez, vite. Allez. Ouf, ok, on s'est échappé. Enfin, j'ai échappé au slime. Allez, pardon, mon deuxième. Normalement ils peuvent pas, les slimes peuvent pas descendre, donc ils peuvent pas aller dans l'eau. Voilà, et en plus il glisse dans l'eau, donc c'est génial. Alors là, je sais même pas si les arbres d'ici sont différents, mais on va les laisser tranquilles. Voilà. Allez, saute-moi dessus et je te passerai par-dessus. Hop là. Aïe, on a un... J'espère que je peux monter. Oui, c'est bon. Alors pour l'instant, en fait, c'est principalement de l'exploration et après on fera construction. Parce que pour l'instant, bah j'ai. Bon, je pourrais commencer directement, mais j'ai pas envie. Voilà. Alors ça, on va pas les tuer. C'est un petit écureuil. Ça mérite pas de mourir. Ok, donc là, on continue, mais toujours dans le même monde. Donc là, on a un arbre. Oh là. Ah, potion de construction, c'est quoi ça? Augmente la vitesse et la portée du placement. Ok. Bon bah alors moi ce que je vais devoir faire... Ah super. Bon bah je vais être obligé de casser l'arbre dans ce milieu. Désolé l'arbre, mais je suis obligé de pouvoir passer encore une fois. Et moi ça me fait un peu de ressources. C'est super. Là le petit slime vert, j'ai pas trop peur de lui. Donc même s'il arrive, je pense que je peux le faire. Bon je dis je pense. Parce qu'il me met quand même cher et moi je l'ai pas très... Ok, c'est bon. Ok. Hop, passer au-dessus du slime. Passer au-dessus du slime. Je sais pas, il bouge pas trop quand même. Hein. Et ils viennent pas trop sur moi, mais c'est pas grave, je leur demande pas de venir. Donc là, sur la map, on a quand même fait pas mal de distance. Ouais. Donc, bah, c'est super. Mais on a toujours pas trouvé ce que je cherchais. Et on n'est toujours pas tombé dans un biome difficile, donc c'est super aussi. Parce qu'il y a certains biomes, enfin on est vraiment coincé totalement en face, enfin face à ce biome, et c'est vraiment... Parce qu'on n'a pas le niveau pour pouvoir tuer les créatures, ou alors on n'a pas les niveaux de pioche pour pouvoir casser les blocs qui nous bloquent le passage. Aïe. Allez, je vais tuer le petit slide. Le truc qui a commencé à faire nuit et là, yes, un désert, ok. Bon, il va commencer à faire nuit. Oh non. Pourquoi j'arrive en plein dans une tempête de neige, dans une tempête de sable? Voyons, on va construire un petit peu. Alors oui, je mets... Ah, allez, avance, ah, avance, s'il te plaît. Je mets de la neige dans un désert, mais c'est pas grave. Oh là 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 là, mais c'est horrible. Bon, hop là. Donc, vent puissant. C'est horrible. Mais en plus, il y a un... Bon, on va au moins essayer de récupérer du cactus. Et là, ouais, j'arriverai pas à le tuer. Hein. Non, non, et en plus, après, il y a un... Mais non, c'est fini pour moi, là.
que je fasse quoi? Il m'attaque par-dessus. Et en plus, à côté, par là, on a un biome, je pense, horrible. Totalement horrible. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y avait ce vent. Donc, voilà. Donc là, on va pouvoir commencer à faire des trucs sympas. On va se faire un petit établi. On va se faire un petit établi qu'on va mettre là. Donc l'établi nous sert à fabriquer de nouvelles choses. Donc là, hop, j'affiche tout ce que je peux fabriquer. Et on va directement se commencer par se faire une épée en cactus. Voilà. Parce que l'épée en cactus, bah, elle va être bien. Parce que celle-ci, elle met du 9, alors que la mienne, elle mettait du 5. Ouais, on va se tuer des slimes. Voilà, et en plus elle passe par le dessus, alors que la mienne elle tapait juste par devant, donc c'était bien embêtant. Donc là on va essayer de se faire une petite porte. Voilà, donc là je me suis fait deux portes. Hop. Alors je sais qu'après j'aurai besoin d'une plus grande maison pour pouvoir accueillir des gens comme lui là, pour avoir des petites personnes qui viennent me vendre des objets, des trucs comme ça. Voilà. Donc là il va commencer à faire nuit, il commence déjà avec 4 barbes, merci. Alors l'avantage c'est que au moins vas-y, place la petite pousse là d'arbre. Aïe. Alors, il a un truc en plein milieu de ton. Je sais pas ce que c'était, il devait avoir plus de pièces que les autres. Vas-y rentre, rentre petite. Rentre, mec, rentre. Bon, ok. Je sais plus comment on fait pour les places. Enfin. Mais entre. Allez, aïe. Voilà, quand même. L'épée en cactus c'est beaucoup beaucoup plus efficace. Donc c'est super. Donc là, voilà, donc je me suis retrouvé encore. Hop, on va cons. En fait, j'ai envie de faire une belle maison. Une belle, pour l'instant, elle n'est pas trop. Mais j'ai juste envie d'avoir une vraie maison. Parce qu'à chaque fois que je jouais à Terraria, je faisais pas de maison. C'était des trucs un peu comme dans Minecraft. On construit dans la terre. Voilà. Donc là, on voit un petit zombie par ici. Ouais, non, mais je peux pas le faire. Enfin, ils ont 80 points de vie. Les slimes, ils en ont. Ils en ont combien? Et ça, ils en ont 28 et déjà j'ai du mal. Donc non, je peux pas les. On va les laisser là-bas, les zombies. Et ouais, je pense 12. 12 ça devrait aller pour finir. Il va falloir que je mette un petit peu de. Ah, là on a entendu un zombie. Oh non. Pas un zombie, s'il vous plaît, pas un zombie. Ne viens pas trop près, mon ami. Donc on va finir au moins le toit de la maison. Voilà, déjà là on a un beau toit, c'est super. Comment on casse ça? Ah, il faut un marteau. Regardez, j'arriverai pas à le tuer celui-là. Bon, si j'arrive. Il est coincé. Hop. Hop. Et donc là, on va essayer, bah, déjà de se faire des torches aussi, ce serait bien. Donc on va en placer une où? Alors on va placer une torche au milieu. Meurs, petit œil. Voilà, meurs. Bon. On va le laisser là. On va continuer. Alors là, pour avoir un personnage, il faut mettre une chaise. Alors, hop. Hop, on va placer la chaise ici. C'est quoi ces bruits de laser là? Pourquoi il y a des bruits de laser? Ah, c'est une étoile filante. Oh non. Tu sais que en fait, là, pour l'instant, j'aimerais bien aller la chercher cette étoile, mais bah, je peux pas. Parce que il y a des zombies dans le trou en face, et il y a aussi que je peux pas me déplacer jusque là-bas en sautant. Donc voilà. Aïe. Ok. Après, ah oui, mince, on va se fabriquer un coffre, mais non, il faut du fer pour faire un coffre. On va rentrer, hop.
Tiens, on va se faire une petite. Ah, j'ai pas assez pour faire une armure. Pour faire une armure. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va mourir. Tu ferais mieux de rentrer dans la maison. Moi je dis ça. Je dirais. Donc là pour l'instant ça va, on meurt pas trop. Mais bon, si je me suis fait une petite maison. Donc oh, ah mais non. C'est bon, je l'ai eu. Donc après, bon, je vais couper la nuit parce qu'en fait là c'est pas intéressant et on va vraiment attendre le jour. Je vous dis à tout de suite. Les amis, voilà, la nuit vient de se finir. Et j'ai récupéré une étoile filante et un petit peu d'argent. Donc là, ça va être le moment d'aller miner. Hein, la phase la moins sympathique en fait, mais obligatoire. On va aller miner je ne sais où. On va essayer de trouver un trou déjà fait. Parce que au moins, en fait, ça nous aide. Enfin, voilà, ça, ce trou-là, il est parfait. On y va. Alors, voilà. Le but, c'est d'aller le plus profond possible. Hein. Et de trouver des coffres. Voilà. Sans mourir. Voilà. Donc là, on est déjà coincé. Et je crois qu'il n'y a rien. Donc, on va remonter. Voilà, donc on va aller de l'autre côté. Alors, normalement, j'ai pas continué la maison. J'ai rien fait. Bon, le truc qui va être compliqué, c'est que j'ai pas d'armure. Oh non, mais pas encore une tempête de sable. Il y a encore du vent. Et le truc est que je vais te coincer. Là, je vois un petit slime qui arrive, mais en haut, là, je vois du je sais pas quoi. Et je vois pas, je vois plus ce qui se passe. Oh, il m'a donné du. Ah, il avait un minerai en fait, c'est ça le truc. Il avait de l'étain sur lui. Bon, alors, on va continuer. J'aime pas du tout les bruits que j'entends. J'aime pas du tout les bruits. Mais on va continuer. On va quand même avancer. Hein. Même si j'ai pas envie. On y va. Donc, on y va. Non, si c'était bon, je vois un truc. Oh là là, pas les bruits, on dirait des. Je pense qu'il y a du très très gros de l'autre côté. Ou il n'y a rien du tout. Peut-être aussi. Pendant la nuit, les monstres en fait ils sont vraiment horribles. Parce que en deux coups, ils peuvent. En tout cas, moi, ils peuvent me tuer en deux coups. Bon, le truc c'est que je suis trop fort, donc aïe. Ils m'ont pas touché une fois. Donc là, je suis coincé en plus. Ok. Ils m'ont pas tué une fois, mais ils m'étaient beaucoup. Hein. Allez, meurs. Meurs, puis slime. Voilà. Parce que je veux pas avoir des slimes qui me suivent derrière. Mais le truc, c'est que ma torche, elle éclaire rien du tout. Je n'arrive à rien voir. C'est horrible. Et j'ai envie de savoir c'est quoi ce bruit en même temps. Là, je vais faire de la pierre, c'est génial. Bon, on va peut-être mettre des torches, hein, parce que sinon, ça va être horrible pour tout le monde. Pour moi, comme pour vous, sur la vidéo, donc, on y va. Alors, je crois qu'en fait, on arrive sur un... Aïe, non. Mais je me suis même pas fait tuer par un truc du... Non, mais je me suis fait tuer par un slime. Et ils prennent ma monnaie, en plus. Ah bah ils ont tout pris ma monnaie là. Vous êtes pas obligés. Hein. Bon on y retourne parce que c'était pas loin. Et que je veux récupérer. Enfin je veux voir ce que c'est en fait. C'est pas possible, je veux pas les... Voilà, je veux pas. Voilà. Petite technique, hein, les étoiles filantes on peut les stocker dans les munitions. Moi je savais pas mais... Enfin je le savais mais pas depuis longtemps. Donc voilà. Je t'ai esquivé mon ami. Et donc on y retourne et les slimes ont disparu, c'est génial. Mais il y en a toujours qui vont arriver. Alors on va récupérer ma tombe et on va continuer à avancer. Alors ouais, on arrive sur un... Oh non mais ça. Oula c'est quoi ce... Oh non mais j'arrive dans la tempête de sable. Donc je survis dans une
dans des grottes à une tempête de sable. Bah, en fait, ça y est, c'est bien, ça me fait avancer tout seul, j'ai plus besoin de toucher mon clavier, puis j'appuie sur la touche. Ah, la tempête de sable est partie, génial. On va peut-être plutôt passer vers le haut. Hein. Aïe! C'est quoi qui m'a mis des dégâts? Je crois que, en fait, c'est un peu comme sur Minecraft, la suffocation du. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Je prends des dégâts? Oh là là, c'est horrible. Bon, le truc, c'est que j'ai laissé. Ah, non! Ah, c'est ça. En fait, comme le sable tombe et qu'il y a du vent, et ben en fait je rentre dans le sable et ça me fait des dégâts, ouais. Tout simplement. En fait, j'aimerais bien trouver un truc d'intéressant parce que là, bah j'avance. J'aurai des quantités énormes de sable plus tard, mais pour l'instant, il y a rien. N'avance pas, live. N'avance pas, conseil. Bon bah, tu vas pas écouter. J'aimerais bien avoir un truc. J'ai pas des dynamites, des trucs comme ça là. Non. Bon, en fait, je pense que ce sera plus rentable de sortir. Hop, on va sortir. Ah merde. Je sais même pas comment en fait c'est possible de réussir à passer. Enfin, de réussir à entrer et pas réussir à sortir. Donc. J'ai pas envie d'arrêter tout de suite, mais la chose c'est là, je pense qu'il se passe pas grand chose, mais bon, je vais essayer de, allez, on va essayer de, on peut pas sortir, c'est génial. Donc je vais être obligé de construire pas avec du sable parce que le sable, bah ça marche pas. Donc ok, non mais tourne-toi, voilà. Voilà, on a un super passage. Oh là là, mais je vais être obligé de construire, mais combien de fois? Aïe, je t'ai esquivé, encore une fois. Aïe, on va pas là, pas là. Mais là, moi, je peux monter et pas toi. Et là, je peux monter et pas toi non plus. Et là, on va monter et pas toi encore. Non mais le truc c'est que je me suis embêté à aller de l'autre côté pour trouver. J'ai fait n'importe quoi. Je me suis embêté à aller de l'autre côté pour trouver un biome sable et il y en avait un juste à côté. Donc là, hop. Alors je sais pas pourquoi j'étais dans la terre, mais bon. Hop. Faut pas casser cette terre là parce qu'il y a du bois dessus. Non, c'est pas pour ça. Ok, c'est bon. Enfin. Mes amis, excuse-moi, il y a eu un petit coupage de la vidéo, donc c'est pas très grave. Hein. Donc donc on est dans le désert et en fait, on a un trou par là-bas, mais en fait là c'est, si je descends je meurs. Bon allez, on descend quand même. On va passer par là. Hop. On a des slimes de sable que j'ai jamais vu. On a essayé de passer, hop. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? Mais les bruits reviennent, c'est génial. C'est super, super, super. Là, j'ai eu des flèches. En fait, j'ai pas du. Non, mais. Bon, là, c'est pas du tout en fait ce à quoi je m'attendais. Donc, j'ai. On va s'arrêter ici les amis, dans cette petite grotte de début du désert. Et la prochaine fois, j'aurai trouvé un bon endroit pour miner. Et donc, je vous dis à la prochaine. C'était Courage Tuba. Au revoir.